Du coup. Tim Dinamiria. The Fengos like you. Des milliers d'années se sont écoulées depuis la chute de l'ancien monde. Le monde n'est plus qu'une terre. Désolé, et les quelques tribus humaines qui ont subsisté vivent de la crainte. Des menaces biogénétiques, des artefacts nés des sciences anciennes, vestiges abominables de la perdition des ancêtres, dispersés un peu partout sur les terres. Le peuple se bat pour survivre dans ce monde. Cependant, un empire humain surgit des cendres, pris de pouvoir. Grâce à la puissance des humanoïdes, création artificielle appelée robot, est créée par les ancêtres, l'empire peut réactiver les installations primitives de la production d'armement, le berceau. L'empire réussit enfin à créer une arme biologique d'une puissance incroyable, le dragon de mar. L'empire se servit de ces nouveaux dragons de mar pour sillonner le continent tout entier, éliminant sur son passage tous ceux qui osèrent le résister. Enchaîné depuis combien de temps? Avait-elle été enfermée dans cette prison? Elle n'arrivait pas à s'en souvenir. Elle se réveille. Donc ça, c'est l'héroïne. Hein. On aura compris. Ils avaient vraiment déployé à l'époque les grands moyens pour impressionner les joueurs et donner une plus grande immersion dans le jeu. On comprend que je suis un personnage important puisque je suis prisonnière. Dragon sans pitié attaque, détruisant tout sur leur passage. Bam! Chevalier, Captain Evren, j'ai trouvé la fille. À toutes les unités. En avant! À vos ordres. Bam! Ils ont trouvé où j'étais. Et ce ne sont pas des amis qui sont venus me libérer. Contrairement à ce que l'on pourrait croire. Mais. Je suis sauvé d'extrémiste par un autre dragon. Et du coup, je prends mon envol avec. Bon, le niveau est petit, je veux bien le recommencer. Ça me fera une pause. N'hésitez pas à dialoguer hein, sur le chat. Je suis là. Je vous dis. Tiens, prends ça de gueule. Comme on dit chez nous.
j'ai réussi à esquiver. Est-ce qu'il y a devant moi? Devant moi. Il y en a plein. J'aime bien suivre le radar, savoir où sont les ennemis. Il est où? Il est là. Ouf, j'ai tout esquivé. Débarrasser de quelques-uns, ce qui est pas du mal. Ils sont. En plus, si vous devinez, s'ils sont en haut, en bas. Il est là. Trop tard, j'aurais pas eu. Je vais encore donner une salve, c'est déjà ça. Voilà, il y en a encore qui vont venir. Voilà, ils sont là. Devant. Pas se les éviter. On a attention les goûts. Zut. Je vais bouger la caméra. C'est pas ce qu'il fallait faire. Voilà. Ça devrait aller? Non. Bon bah j'aurais pas beaucoup plus d'énergie. Voilà. Maintenant le boss. Encore tenter sa chance. Et on verra si ça passe. Je donne la courbe, mais ça va. Thank you.
Vraiment pas évident comme os. Ok, j'ai compris comment battre cette année ici qui vole sur les dames. Sauf que j'ai changé d'arme trop tard. Ça va aller mieux cette fois. J'ai compris quelque chose. Un chef difficile, ouais. Tout à fait, pour un dragon. Franchement, il n'est pas facile. Comment tu vas? Je commençais à croire que j'avais un problème technique avec le chat. Je voyais personne qui m'écrivait. Attends, je vois qu'il y a plusieurs personnes qui me regardent. Ah, il m'en prend beaucoup de dégâts. Peut-être changer de d'arme pour cela en fait. Il va bien. Ok, je commence à comprendre quelque chose. Jusque j'apprenne à utiliser cette arme convenablement. Là, c'est pas encore optimal. Ok. Pas changer mon arme à temps, c'est ma faute. Mon début de calvitie, c'est à cause de ce jeu, sans blague. Bah, je te comprends, hein. Franchement, ça fait une heure que je joue. Je suis toujours au premier niveau, mais je m'acharne. Sans blague. Regarde s'il n'y a pas moyen de changer des boutons. Voilà, il faut encore changer d'arme à temps.
Allez, quelque chose. Allez, hein. Change d'arme, voilà. Encore, c'est pas sûr à 100% que j'évite tout. Zut, j'ai pas vu. J'ai pas vu le tir qui m'a descendu. Ah non, franchement, il est dur. Pas du type, je crois. L'arme. Je trouve. C'est mieux géré. Ah, il faut avoir des nacs d'acier pour jouer à ce jeu. Bon, là, on est vraiment dans un niveau jeu d'arcade. Hein. Yann est laissé au hasard pour vous descendre. C'est bien parti. Allez, je vais encore essayer. Donc j'imagine que du coup tu avais des Xbox One à l'époque. La première donc. Moi comme je l'ai dit, je découvre le jeu en fait. Parce que moi j'étais du côté de la PlayStation. À ce moment-là. Du côté de Sony donc. Pas parce que pour Sony, mais parce que tout simplement j'avais une PlayStation. Par contre, qu'un ami avec la Xbox One, la Xbox, pardon, c'est via lui que je connais le jeu. Quand j'ai vu qu'il était dispo sur le Game Pass, je me suis dit, c'est l'occasion de se le faire. Oh putain, je vais prendre plein de dégâts. Ça c'est cool. Bien débrouillé, mais j'ai plus beaucoup de vie. Ah, y a mission encore. Oui. Voilà. Faut plus chier celui-là.
Dommage. Allez, je vais encore essayer une fois. Et si ça passe pas, tant pis. Ça fait presque 1 heure et demie que j'essaye là. Et je commence à être saoulé. On voit la différence par rapport au jeu actuel ou c'est plus simple. La batte ça vient avec cette arme là. Voilà. C'est ça qu'il fallait faire en fait. S'attaquer à ce cas avec cette arme là. J'essaierai après, tiens. Vu que j'ai perdu pas mal de vie tantôt. La battre comme ça, c'est pas évident. Ça marche. Merde. Allez. Zut, c'est le dernier qui m'a eu. Je l'ai vu aussi sur le Game Pass, mais j'ai pas su eu la patience de m'y remettre. Un des rares que j'ai abandonné. Mais si c'est plus un live découverte en fait, mais j'aimerais bien aller un peu plus loin que le premier. Donc mon but n'est pas forcément de le finir. Ouais, c'est comme ça pour rien. Mais de faire découvrir le jeu, faire redécouvrir le jeu. En tout cas pour moi c'est une découverte. Ça aide à marcher un peu mieux ici pour éviter des cibles. Ça marche bien. Bon, voilà comment il faut faire cette partie-là. Bien là, pas mal d'énergie.
Bien, bien, bien. On débrouille bien là. Je suis évolué. Donc tout simplement, je m'améliore à force de tenter l'aventure. Ah. Face là, j'agère vraiment très mal.